Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Trop dur. Allez, Ashley. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Ashley. Ceci est ma toute première vidéo. Je vais faire une story time. C'est parti d'une story sur Snap. Je recevais des messages me disant oui, c'est trop marrant, tu devrais faire des stories sur YouTube pour qu'elles soient plus longues. Donc je me suis dit bah pourquoi pas. Ceci est ma toute première vidéo. Si vous passez par là, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année 2017, plein de bonnes choses, la réussite, le bonheur, la santé avant tout. Voilà. Donc passons aux choses sérieuses. Aujourd'hui, je vais vous raconter la story du jour où je me suis faite tabasser dans les toilettes du McDo. Alors, vous êtes en train de me dire mais comment, pourquoi, comment on arrive là? Je vais tout vous raconter. Pour commencer, on va faire un petit retour en arrière. J'habite dans une petite ville du 92. Donc, dans ma ville, tout le monde se connaît. Il y a plusieurs collèges. Quand il y a une baston dans un des collèges, tous les autres élèves viennent. Tout le monde sait quand un tel sort avec un tel, quand un tel casse avec un tel, etc., etc. Ça va vite. Et dans cette ville, il y avait des mean girls. Les mean girls, c'est ce que j'appelle, enfin, les méchantes, les pestes. À plusieurs, elles s'attaquent à une personne, mais elles n'ont pas vraiment de raison. Et du coup, moi, bah, j'ai été leur cible. Malheureusement pour moi. Quand tu passes, elle te chip, elle te toise, elle t'insulte alors que voilà, tu n'auras rien fait en particulier, ça commence bien. Et donc du coup, moi déjà, ben, j'étais HLA prisonnière, typiquement, pour ma mère, la plus grosse bêtise que je pouvais faire, c'était me battre à l'école. On l'appelle et qu'on lui dit oui, votre fille HLA s'est battue. Maintenant je. Fin de mois. RITHLA. C'était pas possible. Je faisais tout pour éviter toutes les embrouilles, toutes les bagarres, tout, flemme de mourir, peut-être par ma mère. Comme j'habite à la limite de ma ville et qu'il y a un lycée pas loin, dans la ville d'à côté, je vais essayer d'aller là-bas. Ça a marché, j'ai été acceptée. Bref, donc j'étais censée. Donc, j'arrive en seconde, vers le milieu de l'année, je me dis, bon bah, il faut quand même que je vois une de mes meilleures amies, que je la revoie, qu'on parle, voilà, une petite mise à jour de nos vies, blablabla. Et, donc je l'appelle, on va l'appeler Clémentine. J'appelle Clémentine. 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 Je l'ai bouché. On se donne rendez-vous pour aller au McDo. C'était le printemps, il faisait chaud, je me rappelle. Du coup, on s'est posé à l'étage et tout, on commence à manger, tout va bien. C'est là que l'histoire commence vraiment. J'entends une petite voix qui dit « Mais si, c'est Ashley, je jure que c'est elle. » Là, je me dis « Mais on continue à manger tranquille. » On entend une deuxième voix. Et tu vois clairement que ça commence et que c'est une voix de chacal. Parce que on entend mais si, je te jure, c'est elle. Elle vient de rentrer avec son short et ses vieilles fesses. Ma pote et moi, on se regarde mais vraiment en mode, mais qu'est-ce qui se passe là, what the fuck? On s'est dit, bon, on va ignorer. Surtout qu'on les voyait pas en plus. Et là, tout d'un coup, bim, on reçoit un sundae en pleine face. Moi surtout, en fait, dans ma face. Et le truc gicle de partout, sur moi, sur mon visage, sur mes habits et sur les habits de ma copine. Choquée, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Et on entend des rires, mais qui tiennent. Et là, toujours, hein, on reste calme et tout, on se dit bon, allons aux toilettes, nettoyer. Donc on descend, les toilettes étaient au sous-sol. On arrive en bas et on commence à se nettoyer devant les miroirs, mais c'est des folles, et vas-y, faut pas les calculer, c'est des gamines, ça sert à rien de s'abaisser à leur niveau. Le fait est qu'on n'ait rien dit, qu'on n'ait pas répondu, ça les a encore plus énervés, ces folles, ces grosses folles. Et pendant qu'on s'étoie, bien sûr, on entend des petites voix, des petits gens qui descendent. Et là, elles arrivent en face de nous. Elles sont quatre. Et c'est les Big Girls. Quoi qui sait, je les connais pas personnellement. Tu viens de lancer un sundae, donc je vois très bien que tu n'es pas très nette et que tu cherches des grands problèmes. Ok. Donc je me dis, ah, ben. Ah, elles sont quatre. Et en plus, elles sont bien grandes et mastoc. Bref. Elles sont là, c'était quatre, et elles nous regardent comme ça. Je me dis, mais what? Dans ma tête, en fait, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ok, ok, vas-y, ok. Je crois qu'elle me dit un truc du style, pourquoi tu me regardes comme ça? Dans ma tête, je me dis, mais là, c'est trop, là, là, c'est trop, là. Donc là, tu me lances un sundae dans ma face, et ensuite, tu me dis, pourquoi tu me regardes comme ça? C'est là que t'avais pas répondu, tu vois. C'est ce qu'elle voulait. Si tu l'avais pas répondu. Ok, mais non, grosse folle, quoi qu'il arrive, grosse folle, écoute la fin. Je lui dis, mais je te regarde comment? T'as que ça à faire dans ta vie de chercher des embrouilles aux gens qui t'ont rien fait? Et elle me fait, cherche des embrouilles à quoi? Et genre, elle se rapproche de moi. Donc là, je sais que ça va commencer,
les embrouilles, les embrouilles. Non, je ne veux pas me bagarrer. Je ne me suis jamais battue de ma vie. Je ne sais pas me battre. Je ne me suis jamais battue. On m'a toujours dit la violence ne résout rien. C'est honteux. Enfin, la flemme. Franchement, la flemme. Elle me dit, je m'embrouille à quoi? Je la regarde. Je reste à la regarder. Elle me dit, mais ok. Enfin, ok. Elle se rapproche encore de moi. Et vous savez ce qu'elle me fait? Vous voyez que je restais calme et tombée. Elle me fait ça. Yeah. Oh my god. Je choque. Enfin, ça me choque que tu puisses te permettre de lever la main sur quelqu'un. Je ne t'ai rien fait. Je reste comme ça pendant 2 secondes. Et là. C'est la guerre. Bah. Tombe par terre. Et moi, je ne sais pas très me battre. Enfin, je ne sais pas du tout me battre. Donc moi, je mets des coups partout. Je fais n'importe quoi. Et tout, bim, 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 bim. Comme elles sont lâches, je suis déjà en train de me battre avec une. Les 3 autres se disent, bah rentrons aussi. La méchanceté continue. Je sens des coups derrière mon dos aussi. Vous vous rendez compte, j'aurais été debout à me donner des coups. La rage monte dans moi. La rage, c'est du grand n'importe quoi, tirage de cheveux, et genre on est un peu bloqué par terre, vous voyez quand les filles elles restent bloquées par terre comme des gogoles comme ça là, j'étais obligée de me défendre d'une manière ou d'une autre, donc je donne des coups, et pendant ce temps je vois ma copine, qui elle ne se bat pas non plus, qui est comme moi, la pauvre, elle voit que elles sont à 4 sur moi, donc elle essaie de défendre, je la vois qu'elle essaie de donner des petits coups et tout, elle est trop mignonne. Elle ne pouvait rien faire. Bim, bam, boum, je donne des coups de pied, je prends des coups de pied. Why? Et donc du coup, pendant que je suis en train de donner des grands coups, enfin de me prendre des grands coups, hein, parce que là je fais grave, là je fais genre là. Faut pas oublier que je me suis fait tabasser, c'est pas, je me suis battue, c'est pas la même chose. Parce que franchement, je me suis défendue, mais il faut dire la vérité, elles étaient 4, des grosses patatas là, super imposantes là, comme ça. Donc c'est mort. En fait, au bout d'un moment, j'entends une grosse voix d'un homme qui fait... Et que genre, je sens qu'on me tire. C'était le vigile du McDo qui, du coup, je pense, a entendu des cris. Il nous a attrapés comme 2 chaussettes. Il nous a jetés à l'extérieur du McDo. D'ailleurs, ce qui m'énerve aussi, c'est qu'il cherche pas à comprendre qui est à quoi. Ils auraient pu aussi se dire, pauvre petite moi. Pas du tout. Ouais, ils se jetaient comme des chouettes. Et là, les filles, en fait, elles avaient juste voulu, hein. Elles avaient réussi à me frapper. Voilà, c'était bon, c'est bon, c'était très heureuse à ton parti. Oui. Sachant que dans tout ça, vous savez qu'il y avait un petit garçon, non, parce que quand même c'est grave, qui donne un tel exemple à leur petit frère. Et je me rappelle que le petit garçon en partant, il faisait. Et moi j'étais choquée. Et ma pote et moi, on est là, on se regarde. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? On sait même pas où aller, quoi faire, quoi appeler, qui appeler, que faire. On se dit, mais en fait, rentre chez nous. Quelle vie. Du coup, je rentre à la maison, je vais dans ma chambre, essayer d'esquiver. Avec ma mère, ça marche pas, parce que déjà, j'ai pas l'habitude de rester dans ma chambre. Ça, c'est toutes les mamans, elles sentent qu'on tient un petit papa. Elle arrive, je suis prêt. Elle voit que ma lèvre était enflée, elle a essayé et tout, et donc ça avait bien enflé. Et donc, en gros, elle savait que voilà, il s'était passé quelque chose. Je lui ai tout raconté, tout en détail. Et du coup, ma mère, elle arrive. Ta mère? Pédalement, je pense comme toute mère. Vous avez frappé mon enfant que je l'ai mis sous la terre. Je l'ai jamais vu comme ça toute ma vie. Et là, elle court. Tcha 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 tcha. Ça va pas se passer comme ça. Hein. Moi, je vous le dis. Je veux. Que fait drôle. On reprend. Bon, je cherche mon chargeur. Et la dans ma chambre. Je l'avais appris, mais je l'ai déposé. Ah, bah là, tu l'as pas remis, ici. Ah, c'était grand. Ouais, je reviens tout de suite. Au final, on arrive à la fin de l'histoire. On porte plainte contre X, qu'on n'a jamais cherché vraiment à avoir une suite. Quelques semaines après, j'ai croisé une des grosses folles. Des mini girls folles s'excusaient, etc., etc. C'est génial, s'excuser après tout ça. Voilà la fin de l'histoire. Voilà comment je me suis fait tabasser dans les toilettes du matin. Si j'ai une morale pour les filles qui me regardent, c'est de ne pas répondre à la provocation. Ne jamais répondre parce que ces personnes n'en valent pas la peine. Et surtout, elles n'attendent que ça, c'est ce qu'elles veulent en fait. C'est avoir la chance de pouvoir vous frapper. Mais... Donc la plante a un petit. La retourne. La retourne. La plante a un petit. Donc la plante a un petit. Donc la plante n'a pas abouti. Mais depuis quand les plantes ça aboutit? Ça aboutit? Non mais ça c'est les policiers qui... Ça n'a pas abouti, mais les policiers fument. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas à commenter, à me dire si ça vous a plu justement. À mettre un petit j'aime si vous avez aimé, mettez un petit j'aime. Et surtout, ben, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche là pour être averti quand je mets des nouvelles vidéos. Parce que je vais mettre des nouvelles vidéos bientôt. C'est tout. À la prochaine. Bisous. From them sweet, I don't know them. Don't give up how you grow them. They my hype up them. Très bien. Très bien, c'est fait. Ah, c'est super. I'm them sweet, I don't know them. Don't give up a cow.